Ok, tu viens de faire la mise à jour de iOS 26 et actuellement, puisque c'est la version bêta, il y a plein de bugs, ton Face ID ne marche plus, tu n'arrives plus à te retrouver dans ton smartphone parce qu'il y a cette mise à jour-là qui vient avec des nouveautés et du coup, ton smartphone chauffe. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter la solution qui va te permettre de rentrer à la version plus stable qui est iOS 18.5. Cette vidéo va vous aider, pas seulement si vous êtes sur iOS 26 bêta, mais aussi si vous êtes sur une autre version bêta ou encore une autre version supérieure et que vous avez envie de rétrograder vers une version plus stable et officielle. Ce que vous devez faire, c'est rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer à une version plus stable. Et nous allons le faire juste après le générique. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rétrograder vers une version plus stable de votre iOS. Est-ce que tu regrettes déjà d'avoir fait la mise à jour de ton smartphone vers la version iOS 26 bêta? Alors, j'ai une solution pour toi pour pouvoir rétrograder ton smartphone vers une version plus stable plus facilement. Contrairement à la méthode officielle avec iTunes ou encore Finder, l'application que je vais vous présenter dans cette vidéo va vous permettre d'aller droit au but en quelques clics seulement. Mais avant de vous montrer ceci, laissez déjà un like sur cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite toucher la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc, si ça vous intéresse, alors vous savez quoi faire. Et pour tous ceux-là qui sont intéressés par mes formations, actuellement, on en a deux, la formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Pour en savoir plus, alors à la description de cette vidéo, il y aura un lien qui va vous permettre d'avoir accès à ces formations. Et ça, même si vous avez Mobile Money. Sans plus tarder, nous allons passer au tutoriel parce que actuellement, je sais que tu en as marre de cette version bêta et tu as envie de vraiment rétrograder. On va tout simplement suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ce que vous aurez besoin pour rétrograder votre version d'iOS, c'est premièrement d'un câble pour pouvoir connecter votre smartphone et d'un PC Windows ou encore un PC macOS et aussi de votre smartphone. Et sans oublier un petit peu de temps pour pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et dites-moi dans les commentaires dans quel pays est-ce que vous me suivez et quel smartphone est-ce que vous utilisez actuellement. Si c'est fait, alors c'est parti. La solution que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'application Doctorphone. C'est une application qui va vous permettre de résoudre tellement de problèmes sur votre smartphone, que ce soit Android ou encore iOS, que vous allez vous poser la question, mais frérot, est-ce que c'est vraiment réel? Pourquoi utiliser Doctorphone? C'est premièrement, vous allez rétrograder votre smartphone en un seul clic. Deuxièmement, vous n'avez pas de perte de données. Et troisièmement, vous avez la possibilité de rétrograder votre smartphone à tout moment, puisqu'avec les méthodes officielles avec iTunes ou encore Finder, bientôt, il n'y aura même plus la possibilité de rétrograder. Vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo pour télécharger l'application Doctorphone Wondershare. Donc, pour télécharger l'application, on va tout simplement descendre là. Si vous êtes sur Windows, alors c'est compatible pour Windows, sur macOS ainsi que sur Android, iOS et même sur les iPads. Donc, on va tout simplement cliquer sur « Essai gratuit » afin de télécharger cette application et l'essayer gratuitement. Une fois l'application téléchargée, il va falloir installer l'application. Pour installer, il va falloir tout simplement double-cliquer afin de l'installer. Mais je ne vais pas vous montrer comment on installe. Donc, moi, j'ai déjà installé. Nous allons maintenant double-cliquer pour ouvrir l'application. Une fois l'application ouverte, voici l'interface de l'application. Premièrement, c'est une application qui est composée de plusieurs autres applications. Donc, premièrement, on a cette fonctionnalité de déverrouillage des iPhones ainsi que les Android, réparation du système iOS, transfert de WhatsApp, donc que ce soit WhatsApp ou encore Messenger ou encore Viber ou même WeChat. Alors, on a la récupération des données, on a le localisation virtuelle, effaceur de données, transfert de téléphone, gestion de mots de passe et enfin le DocPass Remover qui permet de supprimer les restrictions de mots de passe sur des PDF. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est tout simplement la réparation du système. Donc, on va cliquer sur réparer le système. Avant de rétrograder votre smartphone avec cette méthode, alors, rassurez-vous d'abord de faire la sauvegarde de votre smartphone en faisant une rétrograde. Alors, vous allez perdre vos données. Donc, il va falloir d'abord sauvegarder vos données. Et pour sauvegarder, alors, on va venir dans ma sauvegarde. Et ici, on va tout simplement connecter notre appareil et effectuer une sauvegarde de notre smartphone. Mais maintenant, on va tout simplement retourner dans récupération du système. Et maintenant, une fois ici, on a la possibilité de récupérer sur Android ainsi que sur iOS. Mais notre smartphone, c'est un iPhone, donc on va sélectionner iOS et maintenant il va falloir connecter notre appareil. Une fois notre appareil connecté, alors on va tout simplement venir là et maintenant ici on a plusieurs autres fonctionnalités. C'est un iPhone 11. Voilà les caractéristiques de l'iPhone. On peut réparer le système d'iOS, on peut faire la mise à jour ou encore la rétrogradation et encore plein d'autres
fonctionnalité. Donc, ce qui nous intéresse, on va appuyer sur. Et ici, on a la possibilité entre mise à jour et rétrograde. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la rétrograde. On sélectionne rétrograde et puis on patiente. Ici, on a ce message important qui affiche. On dit tout simplement la rétrogradation effacera toutes les données de notre smartphone. Donc, on va appuyer sur continuer. Je vous ai déjà montré comment sauvegarder. Mais si vous n'avez pas encore sauvegardé jusqu'ici, alors vous cliquez tout simplement sur sauvegarder. Mais dans mon cas, je vais plutôt appuyer sur continuer. Une fois ici, vous allez sélectionner tout simplement la version d'iOS. Donc, moi, dans mon cas, je vais plutôt importer. Mais dans votre cas, vous allez voir la version que vous devez télécharger directement dans l'application ici. Donc, moi, je vais tout simplement sélectionner ici pour importer cette version-là. On va cliquer maintenant sur « Ouvrir » afin de rétrograder vers la version iOS 18.5. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est de patienter jusqu'à ce que la vérification soit effectuée. N'hésitez surtout pas de laisser un like sur cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous, c'est très important. Dites-moi dans les commentaires dans quel pays est-ce que vous me suivez. Alors, une fois terminé, maintenant, on va rétrograder vers iOS 18.5 et pour faire ça, c'est très simple, on va tout simplement cliquer sur « Réparer maintenant ». Une fois connecté, vous allez voir, tout sera maintenant effectué comme ceci. Et vers notre iPhone, comme vous pouvez voir là, notre iPhone va tout simplement charger le nouveau système. Voilà, maintenant la rétrogradation est terminée, comme vous pouvez voir là, et notre smartphone va tout simplement redémarrer. Mais cette fois-ci avec la dernière version, la plus stable et officielle. Je tiens ici à vous rappeler que après la rétrogradation, alors vous avez la possibilité de faire revenir toutes vos données de votre smartphone en utilisant tout simplement la fonctionnalité de la restauration des données, toujours dans l'application Doctorphone. Alors cliquez maintenant sur le lien à la description de cette vidéo ou encore le lien dans le premier commentaire afin de télécharger l'application Doctorphone. Voilà, je tiens déjà à dire merci à Wondershare pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos par rapport à ce logiciel, alors cliquez sur ces deux vidéos-ci. Ça va vous permettre de résoudre certainement un autre problème. Et dites-moi dans les commentaires dans quel pays est-ce que vous me suivez. Et on se retrouve à la prochaine. Merci.